Ça y est que j'ai reçu ma pièce pour réparer mon four, parce que comme tu sais que mon four il est en panne depuis 2 mois et que du coup je peux rien cuire au four. Bon, j'ai mon ninja cuiseur fryer, je sais pas quoi. C'est bien, mais c'est petit quand tu vas faire des gâteaux. Tu peux pas mettre le moule à gâteau dans le air fryer. Du coup que j'ai quand même réparé mon four, même cuire les baguettes de pain. On peut pas. Alors j'ai acheté la pièce. J'ai regardé à peu près qu'est-ce qu'il fallait, j'ai cherché à acheter la bonne. J'ai regardé sur Google. Voilà, c'est ça. C'est ce qui fait la chaleur dans le four. J'ai acheté sur un site à Lille. Voilà. J'espère qu'il faut pas faire de la soudure ou du vissage. Moi, je sais pas le faire. Allez, on va remplacer, regarde. C'est un truc de ouf de se dire que c'est cette petite pièce qui fait que ça marche pas. J'ai aussi acheté les petits outils. Parce que regarde, c'est des vis avec des trous. C'est des malins, les fabricants. Hein. C'est un truc avec un trou. Du coup, les autres truc que j'avais, ça marchait pas. Et là, du coup, j'ai acheté chez Castorama. Allez, c'est parti, grenouille. Oh là, c'est crado là-dedans, regarde la poussière. Oh, puis j'ai pas ouvert le bon côté, crotte. Il faut que j'ouvre le côté, là. Je vais aspirer un petit coup, on sait jamais. Parce que c'est vraiment crado, hein. Qu'est-ce que c'est compliqué de faire les réparations. J'espère que ça va marcher, hein. Mais moi, j'en fais. Parce que moi, j'ai envie de faire cuire du pain. Et mes lasagnes bolognaises et mes gâteaux. En vrai, que je suis un bricoleur, regarde, je sais faire. Hein. C'est pas compliqué, tu mets juste le truc dans le trou puis tu dévisse, quoi. Allez, qu'on enlève ça. Bah, où que c'est qu'elle a la pièce qui chauffe. Va pas me dire qu'il faut que je démonte ça aussi. Oh, nom de Dieu, ça. Oh, je sais pas faire, moi. Oh là là, j'ai tout démonté, c'est une catastrophe. Attends. Oh, voilà. Hop. Oh, elle est là, ma pièce. C'est ça qu'il faut que je change. Oh, c'est cradin, gars. Je vais faire un petit coup de nettoyage avant. Allez, qu'il faut démonter. C'est fastoche, en vrai, à démonter un four. Après, bon, bah, il faut que ça marche, ça, c'est un autre problème. Et voilà, j'ai changé, j'ai mis la nouvelle pièce. Franchement, on dirait que c'est la même. Oh, j'ai payé ça 50 balles. Ils abusent, hein. C'est juste un morceau de fer enroulé, hein. Oh, c'est vraiment du vol. Oh, merde. Oh là, faut que j'abîme ce qu'il y a derrière, hein. Allez, que c'est parti, qu'on referme. Ça rentre pas, nom de Dieu, là. Allez, c'est la phase finale. Voilà. Hop. Oh, t'as vu, il y a des pieds. Allez, aïe, que c'est fini, que je remets le four maintenant. Oh merde, j'ai tapé dans un truc là. Oh, il rentre plus. Hop. Oh là là, j'ai peur que ça va pas faire tout péter. Non, ça a l'air d'être bon. Allez, vas-y, on va allumer le four. C'est le moment de vérité. Chaleur tournante, 200 degrés. On va mettre une demi-heure. On va attendre voir si ça saute. Bon, qui remarche, hein, je suis trop content. Pour l'instant que ça saute pas. C'est bizarre que ça se rouge comme ça. Avant que c'était pas comme ça. On s'en fout. Du moment que je puisse faire cuire mon pain. Allez, bisous, I love you.